Putain, sa maison elle est hantée. Je te jure, il y a un esprit protecteur dans sa maison. Bah, essaye, mais. Ça fait rien. Attends, j'ai une idée. Je vais user un peu de mes pouvoirs. Alors, c'est 46, hein, tu m'as dit. Allez, voilà. Là, ça va exploser. Là. Ouah! Mais c'est quoi cette maison? Qu'est-ce qu'il a mis dedans comme esprit? Ah, le malin. Esprit, es-tu là? Ah, d'accord. Une idée. Ah bah non, ça fonctionne pas. Bon, tournons un peu dans le quartier. Ça fait un peu... extrême chaotique. Oh là, regarde ici, dégueulasse. Ah. L'intérieur est aménagé, contrairement à certains. Ah, excusez-moi hein, pour ceux qui aiment bien le damier bleu et noir, mais. Il y a même un salon au-dessus, avec... et encore une salle des coffres. Pff, il a combien de coffres le mec? Je suis sûr qu'ils sont vides ces coffres. Ah, je n'ai pas les permissions. Bon, bah, genre en descend, on passe à la maison suivante. Ouais, mais attends, ça c'est moche et je voudrais vérifier que lui il n'a pas hanté sa maison quand même. Parce que les maisons hantées là, ça. Bah. Ouais. Et comment ça se fait? Oui. Oui, City l'a bien dit. Qu'est-ce que c'est que ce Beans? Attends, je vais quand même utiliser la manière forte, hein, parce que là, il y a un moment. Faut pas déconner quoi. recule-toi, oui, City, parce que là, si ça fonctionne, c'est mal. Oui, bah là ça a marché. Ah, le mouton il est mort. Bon, là ça a fonctionné. Là. Bon, pas grand chose, hein. 726 blocs de TNT, petit cratère, tout va bien. Ouh, hein? Ouh là là, t'as failli déclencher la chaîne. Sa maison. Elle est où? Elle est où sa maison? Bon, oh my god. Ok. Eh ben. Je propose qu'on aille se positionner sur le phare, hein. Et puis, je vais arriver, je vais commencer à allumer la première zone. Je pense qu'on a dépassé une petite vidéo, là, mais on coupera quelques petits éléments, à la limite. Oui. Es-tu prêt? Toutes les maisons dégueulasses sont en train de sauter. Il y a peut-être même les voisins qui en prennent un peu. Hein. Il y en a pour tout le monde. Hein? Mais qu'est-ce qui se passe? On va les aider. Ouh là là, il y a du loup qui me pourchasse. Ah, bah, il me pourchasse plus. Tiens, c'est bizarre quand même que... La première fois que je vois des TNT qui s'entrequillent pas, waouh! J'ai pris la lourde. Bon, bah, je pense qu'on a fait un bon tour de maison. Un petit tour dans le centre commercial pour finir. Allez, un petit tour dans le centre commercial pour finir. Attends, je veux quand même m'amuser un peu. Je vais en choisir une pile au hasard. On va dire la plus moche que je vois. D'ici peu, je tourne un peu. Ah bah voilà, j'ai trouvé. Ah oui. J'ai trouvé. Il a osé. Et... il fallait oser. Il fallait oser. Il y en a un qui l'a fait. Alors attention. Ah ouais. Moi j'ose. C'est nettement plus joli, plus saillant. Au moins ça a de la couleur. Et du punch. Ok. Bon, on va visiter un peu le centre commercial tranquillement. Vous voyez qu'il y a de la place hein, dans ce village. Et en plus, si vous manquez de place... On passera. On peut en faire. On peut en faire un petit peu. Ouais.
Y'a quelques ogres. C'est vrai, t'as vu un ogre? Il est fireproof, lui. Ouah, aïe, aïe, Le gros de aïe. feu est fireproof. C'est vrai, tu peux pas le tuer au feu? Attends, attends, laisse-le moi, je vais me le faire. Attention, le fireproof et l'araignée en même temps. Et voilà, bah, il a pas trop survécu non plus. Non. Alors, le centre commercial. Oh, attention, il y a une araignée qui te pourchasse. Et un zombie. Bon, vite, on rentre. Parce que c'est pas que je suis en god, mais j'ai quand même peur des mobs. Et bloque-les à l'entrée, hein. Elles vont rentrer. Elles rentrent. Putain, tu les laisses rentrer, quoi. Tiens, moi je bloque leur, leur possibilité. Voilà. Alors, qui nous a fait ce joli centre commercial? À mes souvenirs. Bon, déjà c'est un admin, mais je veux pas donner de nom au cas où je me plante. Mais ça ressemble tout dit à du KRM, ça. J'aime bien les escaliers. En, avec les blocs en pente, donc les nouveaux blocs en pente. Et donc, plein d'opsi massifs là-haut avec redstone. Ils sont faisables avec tous les types de matériaux. Donc là, vous allez... Ah non, celui-ci, je le reconnais grâce à ce que j'ai fait là-haut. C'est Waza, Lia, Free et Doku qui l'ont fait. J'espère n'oublier personne qui a contribué à cette magnifique construction. Ça se répand sur le côté? Ah ouais, ça se répand sur le côté. C'est sympa. Ouais, non, bah, c'est un beau centre commercial. Hein. Vous avez vu que les parcelles sont déjà là pour vous attendre. Donc, franchement, n'hésitez pas. Il n'y a personne qui a loué dans ce centre commercial encore. Vous êtes juste à côté du village des citoyens. Donc, je pense une très très belle opportunité. Ah ouais, quand même. Bon. Je sais pas pourquoi je... Bizarrement, sur le serveur, je suis toujours là à vouloir le protéger, mais là, j'aime bien le voir exploser sous toutes ses formes. Je sais pas ce que ça donne, hein, la vidéo, je pense que tu dois bien laguer. C'est raisonnable. Bon, le serveur tient le coup, hein, parce que là, il y a eu quand même 900 blocs de TNT invoqués. Donc on peut dire que le serveur tient le coup. À part l'opsy, mais bon... Et donc, bah voilà, hein, je pense que pour finir, on pourrait très simplement faire un joli petit cratère pour dire que l'on est passé. Qu'est-ce que t'en penses? Pourquoi pas. Oh, d'accord. Bah là, en fait, ça va du ciel jusque la bedrock. Hein. Bon, pour t'avertir un peu, il y a 8000 blocs. Je pense qu'on peut le tenter. Attends, on va prendre un peu de précaution. Je crois que ça a déclenché, là. Il y a dû y avoir de la lave en bas. C'est oui, déclenché. Mots, mais je lag. Bon, non. Ah, oui, peut-être mais... sous terre, tu veux dire. Et donc, tu penses que c'est en train de remonter. Ah là du coup j'ai mis plus que 16 blocs. Ça explose petit à petit. Ah, ça n'explose pas là. Ah, la TNT. Si si, je les entends qui me précisent. Ah oui bon, effectivement je lag un peu. Ouais, pourtant moi j'ai une bonne bécane. Oh je tourne bien. En même temps, donc c'est peut-être pour ça. Ouais, ça doit être pour ça, parce que je suis quand même à 70 FPS. Ah ouais, effectivement, t'as raison. C'est un peu en train de péter, là. Je sais pas si tu assistes au désastre. Oula. Ça se grignote petit à petit. Oula. Oui, bah moi je suis tombé dans le cratère. Je peux te dire que c'est un vilain cratère. Bien imaginé, mais j'attends que ça pète.
Effectivement, il y avait pas mal de lave en bas. Hein. Ah, il y a centre commercial qui a pris. Ouah, mais ça tombe par paquet de TNT, je les vois 20 par 20 tomber, tu sais, ils explosent au milieu du cratère. Je pense qu'on est même en train de faire ramer le serveur normal, donc excusez-nous pour. Ah, ma City Déco. Excusez-nous pour tous ceux qui étaient sur le serveur là en ce moment. On a dû vous faire un peu laguer, mais c'était pour le cratère final. Login, voilà. Il y avait de l'oxygène, des drogues. Oh. Non, voilà là-haut. C'est pas beau ce réveil. Ah ouais, donc voilà. Voilà une couche de bedrock à nu. Et l'eau qui tombe, et hop, 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 hop. Et pourquoi l'obsidian n'a pas mouru ici? C'est résistant comme ça, l'obsidian. TNT-proof. Ou alors ça a été fait après l'explosion, non, peut-être. L'obsidienne est résistante à la TNT. Comment ça se fait? Ouais. Ah ouais? Bon, eh bien, sachez-le dans vos parcelles, quand les reporters passeront, mettez de l'obsidian. Faites des constructions en obsidienne. Sinon, il restera plus si grand-chose. Ouais. C'est bon à savoir. Il vaut mieux. Bon, bah, je pense que. Ah ouais, effectivement, le centre, il a pris un peu, quoi. Je pense que on peut clôturer là-dessus, hein. Ça fait un beau terrain de désolation. Ravi de vous avoir fait partager cette première expérience dans le village des citoyens. On espère que très prochainement certains vont se prêter au jeu en nous offrant leur parcelle et une petite visite de leur parcelle. Et bon, bien sûr, on essaiera de pas faire trop sauter, mais on fait sauter ce qui est moche. Hein. Donc, quand on n'aime pas, ça donc fait beau. Faites des trucs beaux et on fera. On est d'accord, Whisky, ça sera. C'est notre règle. Hein. La parcelle où il y a le moins de TNT, c'est celle qui remporte la palme de la plus jolie. Allez hop, et on vous tiendra au courant s'il y a des news sur The Craft. Salut, salut tout le monde.